tous et à tous et bienvenue, ravie de vous accueillir cette année pour ce nouveau volet de Digitalks. Donc étudiants à l'Université Paris 8, nous sommes une équipe motivée et compétente qui avons un attrait pour la communication numérique et ses métiers. Donc pour ce numéro, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Aristote Vuamba, consultant en cybersécurité. Donc bonjour Aristote. Bonjour Nice. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, pour cet entretien, nous allons structurer l'interview en deux parties. Donc, une première partie consacrée à ton poste spécifiquement et à ses missions et donc à toutes les caractéristiques relatives. Et puis, une seconde partie un peu plus générale sur la communication numérique et qui nécessitera un peu plus de réflexion. Voilà. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, nous dire ton nom, ton âge et le cursus scolaire que tu as effectué? Ok, merci Nisrine. Bonjour, moi c'est Aristote Mvamba, je suis consultant en cybersécurité, j'ai 32 ans. J'ai fait les études d'ingénieur à Sud-Galilée, à l'école d'ingénieur qui se trouve à Paris 13, à Villetaneuse exactement. Et suite à cela, j'ai commencé d'abord à travailler en tant que développeur web et ensuite j'ai basculé dans la cybersécurité, métier auquel j'exerce aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi l'ambition de la cybersécurité pour commencer? Pourquoi avoir choisi ce secteur-ci? Okay. C'est une très bonne question. Le monde auquel nous vivons aujourd'hui se digitalise de plus en plus et tout devient automatique et tout bascule vers le digital. Et c'est un domaine que j'aime beaucoup, surtout pour moi quand j'ai commencé, c'était un peu un mystère, les domaines de la cybersécurité. Et du coup, j'ai voulu un peu pousser loin et aller essayer de comprendre qu'est-ce qui se faisait dedans. Et je suis rentré en cybersécurité, aujourd'hui je m'y plais bien et je continue dans ces domaines et je pense encore pour un bon moment. Super, et donc tu es consultant en cybersécurité depuis 9 années maintenant? C'est ça. C'est ça. Oui. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ton poste, donc les missions, les caractéristiques de tes différentes casquettes, puisque tu as plusieurs postes? Voilà, si tu peux présenter tout ça. D'accord. Je vais essayer de résumer rapidement mon parcours. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait un baccalauréat scientifique. Après mon baccalauréat, j'ai fait un DUT en réseau et télécommunications. Et suite à cela, j'ai pu intégrer une école d'ingénieur dans les réseaux et télécommunications. Et pour résumer en trois parties mon parcours professionnel, comme je disais, j'ai commencé d'abord par faire beaucoup de réseaux par rapport à mon diplôme. Et ensuite, cela, j'ai travaillé un peu dans la sécurité de l'infrastructure, la sécurité des réseaux d'une entreprise. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la sécurité des gestions des personnes, des gestions des accès. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'en 9 ans, le secteur, enfin le monde du digital a énormément évolué. Quel changement, quel changement majeur tu as remarqué durant la formation? D'accord. Oui, effectivement, aujourd'hui, le monde, comme je disais tout à l'heure, le monde évolue rapidement. Moi, déjà, pour expliquer aussi un peu ce que j'ai fait actuellement, je suis consultant en cybersécurité, je suis spécialisé dans les domaines, tout ce qui est gestion des comptes à privilèges, gestion des accès, ça consiste à gérer une personne qui arrive dans une entreprise, qu'est-ce que la personne fait, on va pouvoir lui donner les droits nécessaires pour pouvoir travailler, on va essayer également de vérifier qu'il n'y a pas des fuites d'informations, on va essayer également de vérifier que cette personne ne divulgue pas des informations. Donc du coup, on va essayer de cadrer vraiment cela. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive dans une entreprise, le cycle est vide au sein de l'entreprise, et jusqu'à la sortie, ou voire même lorsque la personne change en fait des postes au sein de l'entreprise, c'est ce que nous, on va pouvoir gérer. Et à part ça, moi, mon rôle, en fait, je suis dans le domaine technique, mais en même temps, c'est dans le domaine fonctionnel. Je m'explique. Dans le domaine technique, je vais intégrer des solutions de cybersécurité, c'est-à-dire qu'une personne qui va essayer d'attaquer une entreprise, nous, on va réfléchir comment on va pouvoir protéger cette entreprise. Donc, du coup, on va réfléchir à des solutions qui vont limiter
au maximum les dégâts au sein d'une société. Donc ça, c'est mon rôle en tant qu'intégrateur des solutions de cybersécurité. J'ai également la casquette sur la partie gestion de projet. Donc une personne qui a des problématiques ou qui veut mettre en place des solutions de cybersécurité au sein de son entreprise, nous allons l'accompagner, c'est ce qu'on va appeler un cadrage. On va l'accompagner à pouvoir déployer les solutions, comment on va réfléchir, mise en place de l'architecture et voir quelles sont les solutions idoines qui répondent au mieux aux besoins de la société. Et en même temps, je suis aussi référent avec une équipe auquel je manage pour pouvoir les aider. J'ai fait également des formations pour pouvoir aider des personnes à pouvoir monter en compétences. Maintenant, la question, c'était l'évolution de la sécurité ou de l'informatique de nos jours depuis mon diplôme jusqu'à aujourd'hui. Écoute, ça évolue beaucoup et on a pu le voir, on a pu le constater lors du confinement dernier avec le Covid. On a pu voir qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en télétravail. Et qui dit télétravail dit beaucoup de risques. Les risques d'intrusion, les risques d'utiliser un réseau, par exemple un réseau public, où on n'a pas beaucoup de sécurité. Donc du coup, ça a encore fait augmenter de plus en plus le niveau des sécurités. Donc pendant le confinement, il y avait beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'avaient pas de boulot. Mais nous qui sommes dans la sécurité, on avait pas mal du travail parce que c'est des choses que beaucoup d'entreprises n'avaient pas forcément anticipées. Il y a des choses qui se sont faites dans les temps, sur l'État. Donc du coup, on a eu beaucoup et les choses évoluent, quoi. Si je peux donner encore un autre exemple, je ne sais pas si tu vois, aujourd'hui, quand tu vas dans l'administration, dans plusieurs endroits, on demande des documents dématérialisés. C'est-à-dire qu'on va échanger des documents privés sur des personnes, en fait, la vie des gens, surtout dans le domaine médical. Donc du coup, il faut vraiment essayer de bien sécuriser. Comment on va sécuriser? Donc les choses changent et aujourd'hui, on peut voir également, il y a de plus en plus de personnes qui font du télétravail et tout ça, c'est un risque en fait. Donc nous, on est là également pour prévenir du risque niveau, on parle toujours des hackers, mais il n'y a pas que le hacker. Niveau, on va faire des sensibilisations par rapport à comment s'éteindre. Une personne qui travaille à la maison, qui a des enfants, qui laisse son ordinateur, qui est allumé, un enfant qui va venir supprimer les choses. Donc on va conseiller également, on va accompagner par rapport à ces sensibilisations. Enfin, c'est vraiment, la sécurité est large. Une personne qui a branché, on avait branché, on appelle ça des serveurs dans les salles machines, quelqu'un qui va débrancher. Donc du coup, on va essayer de sensibiliser des gens. Ça, c'est une grande partie. Mais également, on va essayer aussi de mettre des solutions pour pouvoir sécuriser les infrastructures dans une société ou lorsque les gens travaillent en général. Donc du coup, pour résumer, en grande partie aujourd'hui, le monde se digitalise. Il y a de plus en plus de personnes qui font du télétravail et il y a de plus en plus de vulnérabilités. Merci pour cette description très détaillée. J'aurais deux petites questions sur ces caractéristiques, justement. La première, un peu plus introductive, mais est-ce que tu pourrais nous présenter une journée type, donc que ce soit au niveau du planning, au niveau de la typologie des clients que tu as, que tu rencontres, leur poste, par exemple, quelle est ta journée type de ton quotidien? D'accord. Une journée type d'un consultant. Comme je disais, je suis consultant. Je vais prendre une journée type en tant que chef de projet déjà. Ça va consister à quoi ? On va avoir un client qui a des besoins. Je vais définir ça comme ça. On a un client qui a des besoins et les clients vont faire appel à plusieurs sociétés déjà. À plusieurs sociétés, c'est ce qu'on appelle lancer des appels d'offres. Et en fait, nous, on va pouvoir répondre à ces besoins. On va essayer d'analyser le besoin du client. On va essayer de bien comprendre qu'est-ce que les clients souhaitent. Et une fois qu'on a bien compris cela, on va faire ici qu'on a fait une proposition commerciale. Donc, du coup, on va traiter le sujet, on va faire une proposition, on va envoyer au client. Et une fois les clients, on va valider cette proposition. Nous, on va récupérer les sujets si on est bien sûr choisi par les clients pour pouvoir l'accompagner. Donc du coup, ce qui ramènerait à mon quotidien, donc déjà, je vais arriver à comprendre l'environnement du client, qu'est-ce que les clients ont fait, qu'est-ce que les clients possèdent, c'est-à-dire qu'on va étudier l'existant. Et ensuite, en étudiant l'existant, on va tirer des informations. Par rapport à ces informations-là, on va pouvoir orienter les clients. On va lui proposer des choses, on va les conseiller. On est là aussi pour conseiller en tant qu'expert dans le domaine.
Donc du coup, mes quotidiens, ça se résume un peu à ça, répondre aux appels d'offres, traiter les besoins du client, accompagner les clients à déployer des solutions. Ok, merci, super. Et justement, en l'occurrence, au niveau de ton activité, au niveau de tes clients, des différentes entreprises, quelles sont les principales problématiques dont tu as affaire ? On sait que depuis quelques années, la protection des données est de plus en plus une préoccupation pour les salariés, tant pour les salariés que pour les particuliers, hein, d'ailleurs. Donc, est-ce que tu as beaucoup de cas où, effectivement, des clients te demandent, n'importe quel poste, te demandent de protéger au maximum les données de leurs salariés, ou à l'inverse, d'avoir une meilleure visibilité sur leur activité? Tout à fait. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, la protection des données est un sujet très sensible. On demande de plus en plus aux personnes d'envoyer des documents, dématérialiser des documents, tout c'est digitalisé. Donc du coup, il faut protéger ces données-là. Donc lorsque les clients font appel à nous, c'est pour l'aider ou l'accompagner à mieux protéger ces données, pour l'accompagner à mettre en place des solutions qui lui permettraient de pouvoir mieux protéger ses données. Donc c'est un peu ça mon rôle en tant que consultant conseiller également. C'est pour ça qu'on appelle aussi, on fait du conseil. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si. Parfait. Je vais prendre une petite illustration de mon cas personnel, par exemple. Oui. C'est vrai que j'ai travaillé pour une entreprise qui, par exemple, ne délivrait absolument plus de clés USB. Est-ce que c'est un cas courant? Parce qu'on sait très bien que bon, il y a une certaine propagation de virus, c'est quelque chose d'assez précaire en matière de numérique. Est-ce que tu conseillerais par exemple, est-ce que déjà tu as déjà vu des cas comme ça où on n'utilise plus d'outils comme les clés USB, et est-ce que tu conseillerais la rupture de l'exploitation, de l'utilisation de ce genre d'outils? Oui, et je te les confirme effectivement, aujourd'hui presque toutes les boîtes, dans toutes les entreprises, on n'a plus le droit d'utiliser des clés USB. Pourquoi ? On a eu beaucoup de problèmes auxquels des personnes qui ramassaient une clé USB, et ce qu'il faut comprendre en fait, dans ces clés USB, on peut les trafiquer, on peut injecter, on peut mettre en place, si tu veux, je vais essayer d'utiliser, vulgariser un peu la chose, utiliser des mots simples, on va mettre des virus, on va mettre des choses qui pourraient non pas seulement impacter l'ordinateur de la personne, mais ça va impacter tout un réseau. Comment on peut atteindre cela? C'est-à-dire que l'ordinateur d'une personne est connecté à plusieurs au réseau de l'entreprise. Et au sein du réseau de l'entreprise, il y a également des partages des fichiers, des partages des données. Donc du coup, une personne qui va plugger, qui va connecter une clé USB qui est trafiquée, ça risque de compromettre l'environnement de l'entreprise. Donc du coup, pour pouvoir, au début, si tu veux, on essaie de faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes pour pouvoir sensibiliser les gens, interdire, de dire qu'il ne faut pas mettre cela, mais ça n'a pas vraiment marché. Et du coup, aujourd'hui, on préfère carrément couper court. Donc du coup, je vais dire 90% des entreprises aujourd'hui interdisent totalement les branchements des clés USB. Après, est-ce que moi j'accepte là ou pas, c'est du cas par cas. Parce que si tu es au sein d'une entreprise, il y a des personnes qui ont quand même besoin de brancher leur clé USB. Par exemple, en tant qu'intégrateur, souvent je dois créer au sein de mon ordinateur en fait l'environnement du client. Donc du coup, des fois il faut que je puisse importer les fichiers dans mon ordinateur, parce que soit c'est très lourd, même si il y a des sites qui permettent d'importer les données et autres. Et tu verras même dans d'autres sociétés, il y a des bornes qui permettent d'enlever le virus ou de supprimer ou de vérifier si une clé USB est trafiquée ou autre. Tout ça pour empêcher que les gens puissent plugger. Donc du coup, c'est du cas par cas. Je ne peux pas être tranchant en disant qu'il faut tout supprimer ou il faut laisser. Donc c'est vraiment du cas par cas, ça dépend. D'accord. Et puisqu'on parle de virus, super intéressant, quels sont ceux qui sont les plus courants en numérique? Quels sont les virus les plus courants et ceux les plus dangereux?
Il y en a tellement. En fait, si tu veux, je pourrais plutôt te donner l'exemple souvent. En fait, c'est qu'il faut comprendre. Je vais plutôt tourner la chose autrement. C'est qu'il faut comprendre. Souvent, les personnes, lorsqu'ils veulent soutirer de l'argent au sein d'une entreprise, c'est qu'ils vont faire, du chantage. Pour faire du chantage, ils vont peut-être bloquer les services. On a parlé des données, ils vont voler les données dans une entreprise. Et du coup, en fait, ils vont faire du chantage à l'entreprise. Si vous ne payez pas, si vous ne donnez pas de l'argent, on va pouvoir divulguer ces informations. Aujourd'hui, tout c'est monnaie, hein. Même des informations personnelles des gens, ça s'évente sur Internet. Donc du coup, les gens ils vont faire cela. Et une fois qu'ils font cela, donc du coup, soit les entreprises vont payer, soit les enfants. Ils peuvent vraiment perturber totalement le réseau d'une entreprise. Donc du coup, c'est souvent de ces types d'attaques qu'on voit. Le vol des informations ou carrément couper les réseaux d'une entreprise. D'accord. Je vois. Si ça te va, on va passer à la seconde partie, donc un peu plus générale sur la communication numérique. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte en pleine évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et de surcroît, il y a l'arrivée du RGPD en Europe en 2016. Et donc depuis, comme je l'énonçais précédemment, il y a une préoccupation majeure au sein des entreprises, comme pour les particuliers, concernant la protection et l'exploitation des données personnelles. Et donc, j'ai une petite question de réflexion, mais aujourd'hui, en tant que citoyen, est-ce qu'on est vraiment protégé vis-à-vis de nos données personnelles, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel? En règle générale, est-ce qu'on est protégé? Est-ce que la mise en place du RGPD est-elle effective? Par exemple, quand on navigue sur un site internet, sur un site de e-commerce, est-ce qu'on est vraiment protégé? Oui, c'est une très bonne question. Avant même de répondre à ta question, je vais te dire quelque chose qu'il faut comprendre. Même nous, lorsqu'on met des solutions pour pouvoir protéger, en fait, on ne peut pas protéger à 100%, mais au moins, on met en place des solutions pour limiter les dégâts. Je m'explique. Quand tu prends un médicament, tu ne vas pas être forcément guéri à 100%, mais si tu as des douleurs, ça peut atténuer les douleurs. Mais au moins, au lieu de souffrir plus fort, on va diminuer les douleurs. Donc aujourd'hui aussi, l'État ou des organismes mettent en place des systèmes de sécurité pour pouvoir mieux sécuriser les choses, pour limiter les dégâts, mais en soi, on n'est jamais protégé à 100%. Mais du moins, on met en place des systèmes pour pouvoir aller protéger au maximum les choses, pour pouvoir limiter au maximum la fuite des données. C'est pour cela, par rapport au RGPD, aujourd'hui, par exemple, en France, on a l'organisme qui est le CNIL qui va pouvoir aller regarder au niveau des entreprises. Est-ce qu'il y a des normes qui ont été mises en place? Est-ce qu'on respecte? Aujourd'hui, tu peux le voir également quand tu vas sur un site internet, on te demande, oui, on va envoyer des cookies ou on va pouvoir peut-être récupérer vos données personnelles. Donc du coup, la personne est consentante et d'accord qu'on va pouvoir récupérer. Donc c'est aussi des moyens qu'on met en place pour dire à la personne, est-ce que tu es d'accord, oui ou non, qu'on puisse récupérer tes informations. C'est des moyens pour pouvoir protéger les individus. Et maintenant, dire qu'on est protégé à 100%, c'est un pays utopique. D'accord. Et pour tous les élèves tous les étudiants qui vont écouter cette interview, j'aimerais juste expliciter la différence entre RGPD et CNIL. C'est vrai qu'on a tendance un peu à les assimiler. Quelle est, en deux, trois mots, la différence fondamentale entre les deux? Ok. Le RGPD, ça va être des normes ou des règles pour pouvoir protéger nos données personnelles. Quand je donne des exemples, j'essaie de vulgariser la chose, des données en gros. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place des règles, des protections des données personnelles, à caractère personnel. Le CNIL, en fait, c'est l'organisme qui va gérer, qui va accompagner, faire en sorte que ces règles soient respectées. D'accord. C'est une sorte d'autorité du RGPD. Exactement ça. D'accord. Ce sont des individus qui sont là pour pouvoir veiller, ils vont être là pour veiller à ce qu'on puisse respecter les règles. C'est l'autorité, exactement. D'accord.
le RGPD, c'est plus un engagement écrit, si je puis dire, et la CNIL, c'est plus une sorte de contrôle d'autorité sur ça, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est bien ça. Ok. Donc, j'aimerais revenir sur le RGPD parce que c'est assez complexe. Et par exemple, pour lutter contre l'exploitation des données personnelles, le RGPD préconise deux techniques différentes. Il y a d'une part la pseudonymisation et d'une autre part l'anonymisation des données personnelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être vulgariser ce que sont ces deux notions ? Ok. Pour anonymiser, c'est-à-dire qu'on va pas divulguer, on va pas divulguer les informations des personnes, c'est-à-dire qu'on va mettre on va anonymiser et mettre un pseudo, c'est deux c'est techniques différentes. Exactement ça. J'ai bien. Pseudo, c'est oui. Plus modifier les données, disons, sous un faux nom, et l'anonymisation, c'est rendre complètement inexploitable. Le regroupement de données qui permettrait une identification d'une personne. Oui. Est-ce que Est-ce que tu as souvent affaire à ce genre de problématiques ? Est-ce que durant ta formation, tu as entendu un client qui t'a demandé, bah voilà, nous on voudrait mettre en place un système de pseudonymisation ou anonymisation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Moi, personnellement, non, dans le sens où on travaille dans des sociétés où on a plutôt des salariés qui sont dans des contrats, soit des CDI, des CDD, donc c'est vraiment des personnes qui sont connues. On va traiter des données personnelles, des personnes, des employés ou des salariés au sein d'une entreprise. Donc du coup, il n'y a pas vraiment besoin ou nécessité des pouvoirs anonymisés ou des pouvoirs mettre en pseudonyme les données d'une personne. Mais c'est vraiment, ce sont des choses qui pourraient peut-être se faire lorsqu'on va s'inscrire dans un site internet, dans un réseau social, ou autre. Enfin, mais au sein d'une entreprise, c'est très très rare. Du moins, moi, j'ai jamais vu ça pour le moment. D'accord. Et tu penses que ça pourrait arriver les années à venir ? Tu penses qu'il y aura peut-être d'autres outils encore plus complexes pour protéger nos données ? Ou est-ce que tu penses que cette préoccupation sera grandissante les années à venir ? En tout cas, c'est qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on a des outils de plus en plus costaud, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir protéger les données des personnes. Quand j'étais à l'école, je faisais un peu tout ce qui est des intrusions, des hackings et tout ça. Et on me disait toujours que pour arrêter un voleur, il faut se mettre dans la tête d'un voleur. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient plutôt mal intentionnées, qui s'est converties. Il y en a aussi de plus en plus qui sont aussi mal intentionnées. Mais on essaye en fait de se mettre à la tête du voleur ou des hackers, des personnes qui veulent voler des informations pour pouvoir mieux améliorer. C'est pour cela aujourd'hui même, je ne sais pas si tu as pu le voir au niveau de ton téléphone, tu vas voir, il y a des mises à jour parce qu'on va détecter peut-être qu'il y a des failles sur ça, parce que plus ta technologie avance, plus les gens essaient de trouver des solutions assez solides et plus les gens aussi essayent d'augmenter leur capacité à faire des intrusions, à pouvoir pénétrer, à pouvoir voler des informations. Donc du coup, c'est un peu, c'est du tac au tac. Mais aujourd'hui, on a des solutions assez solides qui répondent mieux aux besoins pour la protection des données. D'accord, je vois. Et petite question un peu technique, mais est-ce que, alors ça peut paraître bête, mais est-ce qu'il y a des ordinateurs ou des logiciels, des outils, enfin ordinateurs, téléphones, qui sont beaucoup plus efficace au niveau de la protection des données personnelles, la protection des virus plutôt. Est-ce que par exemple, si j'achète, un MacBook, j'aurai la garantie d'avoir plus de protection que si je prends un autre ordinateur de typologie. Est-ce qu'il y a des différences là-dessus ? Est-ce que tu conseilles tes clients au niveau de leurs outils ? D'accord. C'est une bonne question, elle est pas négligeable la question. C'est qu'il faut comprendre aujourd'hui, lorsqu'on achète un ordinateur, en fait, par défaut, on n'est pas protégé.
on va plutôt acheter des antivirus ou on va mettre en place des antivirus. En fait, c'est comme son nom l'indique, ça va minimiser ou ça va limiter ou ça va détecter les virus. En fait, c'est comme un vaccin. Voilà, le vaccin, comment ça fonctionne un vaccin? Un vaccin, on va prendre, comment on appelle ça? On va prendre le virus, on va injecter, et lorsque l'organisme va s'habituer, et ces virus, ça va être injecté dans l'organisme, lorsqu'il y a les virus qui arrivent, l'organisme connaît ça et pourra mieux se défendre. De même, la même chose lorsqu'on met l'antivirus au sein de l'ordinateur, en fait, on va déjà, au sein de cet antivirus, on va mettre les différents types de virus, les différents types d'attaques, les différents problèmes qui pourraient y arriver, pour pouvoir, lorsqu'il y a l'attaque ou il y a quelque chose, tout de suite l'antivirus va pouvoir détecter. Donc tout ça pour dire que lorsqu'on achète un ordinateur, on n'est pas protégé par défaut. C'est le fait de pouvoir mettre l'antivirus en fait qui va nous protéger en limitant les dégâts. D'accord. Donc c'est super intéressant. Que ce soit un Windows ou un Mac, en fait, c'est la même chose. Ok, donc ça dépend vraiment de l'antivirus qu'on mettra. Qui lui-même s'adaptera aux évolutions et, comme tu l'as dit, aux nouveaux dangers du numérique. C'est ça. Selon les mises à jour qu'on va faire. D'accord. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a abordé un peu une vision 360. Est-ce que tu aurais des questions, Aristote, avant de clôturer cet entretien? Non, c'est bon pour moi. C'était intéressant et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir échanger encore plus. Et n'hésitez pas, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la cybersécurité, c'est un domaine où on recrute beaucoup de personnes. On crée aussi beaucoup de partenariats avec les universités parce que c'est vraiment en demande et on cherche énormément. Donc, si vous avez besoin des conseils, vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez surtout pas. Je pense que le message est passé. Mais écoute, merci beaucoup Aristote pour le temps accordé à notre entretien et pour cette invitation. Donc on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Digitalks. Très bonne journée à vous.